Aujourd'hui, cet événement, c'est une occasion absolument unique pour nous de partager avec nos clients, de pouvoir récolter encore une fois ce qui nous est extrêmement précieux, leur avis, leur feedback, leurs besoins. Nous avons beaucoup de clients qui nous ont rejoints pour partager la stratégie de Sage. Notre mission est bien de les accompagner pour qu'ils puissent continuer à développer leur business sans se préoccuper des contraintes administratives. Nous lançons des versions que ce soit hybride, c'est-à-dire connected cloud, ou bien cloud pur. Et nous offrons en fait le choix à nos clients de rester connectés au cloud ou bien de passer en mode cloud à 100%. La stratégie Sage Business Cloud se traduit par le renommage des produits. X3 devient Enterprise Management, XRT reste XRT, FRP 1000 devient FRP 1000 Cloud. Sage Business Cloud, c'est une plateforme où tous les produits vont être disponibles. Elle a cette richesse d'avoir tous les produits au même endroit. Donc ça, pour les clients, c'est très important. Sage Business Cloud, c'est la plateforme qui réunit le local et le global. Le cloud vient apporter de la souplesse, de la digitalisation, de la mobilité, des nouveaux outils, des compléments, des technologies qu'on va agréger à travers des plateformes. Sage va vers le cloud avec son écosystème, Sage va vers le cloud avec ses clients. Et l'événement d'aujourd'hui qui montre bien l'implication des clients avec nos partenaires est témoin de cette évolution, c'est-à-dire qu'ensemble, avec l'aide de notre réseau, on emmène nos clients vers le cloud. C'est une conduite accompagnée. Le cloud est vraiment au cœur de la stratégie de Sage. Il n'y a pas une nouveauté fonctionnelle et technique qui ne soit pas exploitable dans le cloud. Il suffit d'être bien accompagné, comme on l'a vu, en proximité et de savoir se préparer à cette évolution.